Aujourd'hui, la team qui tourne est sur Live Together. Et je suis enceinte. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci. Attends, qu'est-ce que t'es en train de raconter? Attends, parce que moi, je suis en train d'arroser les plantes et toi, t'es en train de dire que t'es enceinte. Non, mais c'est une blague. Attends, t'es vraiment enceinte ou c'est juste une blague? Oh, pardon, désolé pour l'eau. Ah, non, mais attends, je suis toute trempée à cause de toi. Tu m'as mouillé les cheveux et tout. Oh là, j'en peux plus. Non, mais c'est rien, Dorkito, t'inquiète pas. C'est juste que, je sais pas, moi, j'ai des trucs un peu bizarres, tu vois. Du style, ça fait longtemps que j'ai pas eu mes trucs. Aussi, j'ai un petit peu, je sais pas, j'ai un petit pressentiment où je me dis... Ah, bah, ça tombe bien, Instagram d'ami Dorkito. Ah non, il m'appelle. Ami Dorkito, bah, pourquoi tu m'appelles? Tout va bien? Je t'envoie Maloc, il faut vraiment que tu viennes tout de suite. Ah oui, mais c'est si pressant que ça? Oui, tout de suite. Bon, bah, pas de soucis, alors, j'arrive. Oh, c'est vraiment bizarre quand même, Dorkito. Tu penses qu'il a quoi, mais Dorkito? Il veut qu'on le rejoigne tout de suite. Apparemment, c'est super urgent. Bon, on parlera de cette conversation un peu plus tard. On prend ta voiture? Bah, c'est quoi cette question? Bien sûr qu'on prend ma voiture. Allez, en voiture, Miss Dorkito. Oh là là, elle est magnifique cette voiture. Vous en pensez quoi, franchement? Je devrais peut-être changer de couleur, la mettre en blanche, non? Oh là là, c'est vrai qu'il a sa voiture en orange. C'est vraiment affreux. Vous pensez pas que je devrais la passer en rose? Dites-moi en commentaire. Oh non, mais jamais les abonnés ils diront mais là en rose la voiture impossible, y'a pas une personne dans les commentaires qui le mettra, j'en suis complètement sûr. S'il y a une personne qui le met en commentaire, et bah tu sais quoi, c'est pas grave, il le mettra pas de toute façon en commentaire. Bon, on va rejoindre Mini Dorkito, j'espère qu'il a pas une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Bon, sa localisation, elle indique ici le parking, ok il faut que je me gare et c'est... Bah c'est quoi ça? Bah attends mais, j'ai jamais dit une garderie, pourquoi il m'emmène là? Hey, mais tu veux pas y aller toi? C'est trop bizarre. Oh là là, non mais c'est juste une garderie. Bon, je vais aller voir ce qu'il veut. Faut pas avoir peur, attendez, c'est juste des enfants. Miss Dorkito, bah qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi, c'est parce que t'es avec Victor? Bah non, Miss Dorkito, j'ai appris quelque chose de très important. Apparemment, tu sais, j'étais à l'hôpital et quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont dit qu'il y avait une femme enceinte qui s'appelait Miss Dorkito. Ah bon? Bah... C'est bizarre parce que je pense qu'il y a une deuxième Miss Dorkito. En tout cas, c'est pas moi, ça c'est sûr, hein. Bon, parlons de toi. T'as envie de faire quoi? On part d'ici, non? Moi, ils sont super longs. Allez, tu sais quoi? Je débarque là-dedans. Et oh là là, où est-ce que vous êtes? Vous êtes pas ici? Oula, oui, un berceau. Oh, il y a une petite musique, j'ai envie de me reposer. Oh, je suis bien ici. C'est bizarre que Dorkito, il arrive pas. J'ai dit pourtant qu'il y avait rien ici. Hé, hey, Dorkito! Dorkito? Bah, il est passé où? Oh non, il a dû faire 2-3 courses. Bon, c'est pas grave, j'allais rejoindre Mini Dorkito. C'est trop bizarre. Apparemment, Dorkito, il a disparu. Tu veux que je t'emmène quelque part? Non, moi, je veux rester ici. Et puis, j'aimerais vraiment que tu fasses un test de grossesse. Parce que je suis sûre que t'es enceinte. Bon, Mini Dorkito, c'est d'accord. Je vais faire un petit test de grossesse, mais tu veux bien m'accompagner? Bon, je vais prendre ça pour un oui. Il est trop bizarre, il me fait la tête ou quoi? Pour les amis, je sais pas comment je vais faire, il faut que je fasse un test. Comment on le fait? Ah si c'est vrai, j'en ai déjà fait un jour, il me semble, avec Minimis d'ailleurs. Ça s'était bien passé, mais... Je sais pas si je veux un enfant maintenant ou pas. À l'hôpital, c'est vrai que c'était moi, j'y suis allée, mais... J'ai pas parlé, il y a mes Dorkito dans la voiture. Allez, on va direction. Attends, on va à l'hôpital, je pense que c'est bien. Hop là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a perdu Dorkito. Je pense qu'il serait pas super content que je conduise sa voiture. Oh, attends, mes Dorkito. Avant d'aller à l'hôpital, attends, avant d'y aller. Ça te dit on change la voiture de couleur? On la passe en rose? Après, on n'a pas le temps, il faut vraiment aller à l'hôpital. Ah mais ça va, attends, je vais pas accoucher, mais Dorkito là, ça se voit, non? Bon, allez, je vais faire un petit test. Bonjour. Je viens pour faire un test de grossesse, s'il vous plaît. Avec plaisir, eh bien, ce sera la salle à gauche, continuez tout droit, et voilà, vous allez voir quelqu'un, ou pas, ça dépend, et vous avez des tests à disposition. Je vous souhaite bon courage. Ok, parfait, bon. Allez, on va voir les amis, que ça va bien se passer. Bon, peut-être que c'est à l'étage, on va voir. C'est marqué café. Mais bon, en bas, il n'y avait rien, c'était les salles de réanimation, c'est pas le bon endroit. Urgence, je pense pas que ce soit en urgence hein, qu'on fait un test de grossesse, ce serait bizarre. Peut-être que c'est plutôt ward, c'est quoi? Ça a l'air des chambres un peu plus simples. Avec une salle de bain? Bah, elle est pas plus mal, la salle de bain. Je pense que je vais rester ici, c'est une bonne idée. Allez, hop là. Oh non, elle arrive. Bon, je stresse, j'espère que les résultats, ils vont être... je sais pas trop ce que je veux en réalité. C'est quoi les résultats? Vous êtes enceinte de jumeaux! Ou peut-être des triplés, je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes enceinte, alors félicitations!
cadeau. Comment je vais lui annoncer ça? Oh non, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se donner de l'argent? C'est vraiment trop bizarre. Depuis quand Midarkito, il paye mon médecin? Donc c'est bon, tu lui fais le prank, d'accord? Et on va voir sa réaction quand on va avoir... Ça va être trop drôle. Quoi, un prank? Oh non, je suis sûre que ça doit être un prank pour Darkito. Il faut attendre que je retrouve Darkito, mais où est-ce qu'il est passé? Je vais prendre sa voiture et on va essayer d'aller voir. Mais où est-ce qu'il est passé vraiment, les amis? Je vais peut-être pas lui envoyer plutôt un snap. Ce serait peut-être une bonne idée. Ou peut-être qu'il est resté ici? Est-ce qu'il serait pas resté enfermé dans une salle à côté ou un truc dans le genre? Mais je l'avais pas vu ce bébé avant. Parce qu'il ressemble un petit peu à Darkito. Eh, bébé Darkito? Oh, c'est trop chou! On dirait Darkito, bébé! Caca? Ta petite caca? Bon, c'est pas vrai qu'il veut lui changer la couche, hein? Dodo! D'accord! Dodo! Super, génial, tout va bien! Mais où est-ce qu'il est passé du coup, Darkito? Oh là là, j'en peux plus, je passe ma vie à le chercher ou quoi? Oh, Darkito! Darkito, t'es passé où? En plus, j'aime pas la conduire, sa voiture, elle va trop vite et elle est bien trop large pour cette ville. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais pourquoi vous ouvrez la portière? C'est pas votre voiture! Il y a un problème avec mon examen pour pouvoir que... Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une blague? Madame! Mais revenez! Mais je comprends rien. Pourquoi est-ce qu'elle m'a volé ma voiture? Enfin, la voiture de Darkito. Oh non, elle est vraiment bizarre, ce médecin. Attends que je retrouve Darkito et que j'aille voir aussi mes Darkito pour savoir ce qui se passe maintenant. Pourquoi est-ce qu'il lui donne de l'argent? Pourquoi est-ce que Darkito il a disparu? Oh, il y a vraiment trop de questions et trop peu de réponses. Ah, enfin, je t'ai trouvé, mes Darkito. Bah, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi. Quoi? Bah, c'est bon, là, je suis réveillée. Oh, mais Darkito! L'argent, pourquoi t'as donné de l'argent à la dame? Bah, de quel argent elle parle? T'es pas enceinte, espèce de pastèque. T'as repassé tous les tests, t'es pas enceinte. Tu t'es juste endormie. Et moi, on m'a oublié à l'hôpital. Enfin, à l'hôpital, non, au truc des enfants, là. Vous m'avez fermé à clé, là, c'était n'importe quoi. Et... quel argent? De quoi elle parle? Darkito? Oh, Darkito, je t'ai enfin retrouvé! T'étais devenu un bébé dans la crèche? Et toi, mini Darkito? Eh bah... je sais pas, t'as fait un truc bizarre avec la médecin et le médecin, il a volé la voiture d'Arkito et moi, je suis enceinte de jumeaux ou bien de triplés. C'est normal, elle est encore en train de se réveiller. J'ai donné un petit anesthésion là et je crois que j'ai un peu trop surdosé. Bon, ça va aller, vous inquiétez pas, dans une petite heure, elle se souviendra de tout. Enfin, j'espère. Bon, les amis, il s'est passé quoi? Je suis enceinte, hein, on est d'accord? Bon, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos.